Donc, bonjour à tous et à toutes. On affronte Marc en LDM. J'ai fait ma prep la semaine passée. Par contre, je dois avouer que je me rappelle plus vraiment c'était quoi la prep. J'ai des grosses semaines avec l'école, fait que faut que je m'habitue. Mais bon, on va voir ce qui nous amène, puis on va s'adapter, voir peut-être ça va nous revenir. Donc déjà, on n'a pas de double item, puis de double Pokémon. Donc de son côté. Ah, c'est ça. Bundle, Latias. Donc. Iron Bundle. Ogrepan, Spiritomb, Spiritomb doit avoir une prison, I guess. Tinkaton, Latias et Hitmonchan. Donc, ouais. Donc ici, quel terrain que j'ai mis sur? J'ai mis Terra Flying. Je vais y aller comme ça. Je vais amener Toucanon et Ursaluna. Comme premier match, on va essayer ça. Ça va être quand même difficile. J'avais oublié Bundle Ogrepan. Comment c'était toxique dans ma prep. Tu vois, ça me revient. Ça me revient, puis c'est pas tant nice. Ça devrait être un lead. Moldbreaker, parfait. Pressure. Fait que soit on essaie la Trick Room tout de suite. Ou je fais un Helping Hand. Non, je ferai pas de Helping Hand. Je vais essayer de tenter ça. Puis je vais juste faire un U-turn ici. On va amener Blue Moon. Parce que s'il me fait Will-O-Wisp, au moins, il est Imprisoned. Donc ça, c'est très intéressant. Il doit avoir Trick Room. Fait qu'on va pouvoir le noter. Fait que Imprison, Trick Room, deux de ses moves. Fake Out. Helping Hand. Gigaton Hammer. On se débarrasse de notre Imprison. Passe-montagne qui est Ogrepan. Deux Moldbreakers. Ça, on va protect ici.
J'ai rêvé. Un crit en plus. Non, pas de crit. Ok, fait que ça vient nous chercher où on est de KO. S'il fait Gigaton Hammer, par contre, je suis un peu foutu. On va essayer de read. Donc, Tuggerpun. Ivy, Cudgel. Gigaton Hammer. On n'avait pas besoin du crit. J'ai manqué l'autre move que Tinkaton avait, par contre, ça c'est moins bon. Serge 3, donc, qui est Iron Bundle. On va protect tout canon. Ok, fait qu'il y a protect. Protect. C'est play rough. Là, il va avoir Gigaton Hammer. Fait que premier match, on peut l'oublier. Malheureusement. On a freeze dry. Donc, on va perdre le premier match 2-0. Il était booster plus de speed.
on va faire ça comme ça. Donc, bon match numéro 2. Est-ce qu'on va Terra? Terra Rock? Terra Fire. Ok. Fait qu'il y a Terra Blast. C'est son dernier move, I guess. Puis il est à Soul Vest. Non, il y a Rock Slide. Ok, on a le flinch, imprison, on savait. Ça va être un Lost, malheureusement. On n'a pas de vitesse. Puis Snarl va venir chercher Fairy Giraffe.
On va essayer ça. On va anticiper le Protect. Tape pas assez fort. On réussit le double protect. On va aller chercher peut-être un peu de différentiel, mais. Ça va être tout, le Hugger Pond dans le bac. Je peux pas faire grand chose avec Ursa Luna. Là, moins 2, tu pêches à l'attaque sur Vikavolt. À moins d'avoir un crit, on n'ira pas chercher grand chose non plus. Au moins, on ira chercher du différentiel. C'est comme ça que je le vois. Donc... Protect pour avoir accès à mon Blood Moon. Ivy Cutshell qui va venir chercher Vikavolt. C'est quoi? Ah. On va malheureusement pas chercher Hugger Pond, fait que ça va être un GG ici. Malheureusement, on va perdre 1-0 le deuxième match. Une autre défaite qui fait pas du bien. On aurait dû attaquer le tour de l'avant avec Hugger Pond, avec Ursa Luna. Malheureusement, une troisième défaite de suite pour commencer la saison. Donc, ça fait mal. Sur 9 matchs, c'est pas un bon début. Donc, bon match, Marc. Puis, pour nous, guys, on se revoit cette semaine pour un autre match de la Ligue des Maîtres. Donc sur ce, bonne fin de journée, bonne soirée, à la prochaine.